Mène la vie que tu aimes, tu aimes, tu aimes. Aime la vie dans les buildings, toute la vie naturelle. Avec un album thérapie, en même temps authentique, qui représente vraiment mon état d'esprit, qui je suis, quoi. Lorsque j'écrivais cet album, je me suis rappelé les premiers grands frères jamaïcains. Lorsque je les ai rencontrés, ils me disaient « Oui, tu veux le succès, mais est-ce que tu veux aussi ce qui va avec ?» Et à partir de là, je dis « Comment ça ?» Ils m'ont dit « Tu comprendras. » Et on m'a parlé de « Il y a beaucoup de choses qui accompagnent la réussite. Est-ce que tu es prêt à accepter la trahison? Est-ce que tu es prêt à accepter l'abandon? Est-ce que tu es prêt à accepter la jalousie ?» C'est pas que quand, que, vous savez, le miel attire les abeilles, quoi. Okay? Donc, et c'est vrai qu'à cette période que j'écrivais cet album, beaucoup de choses que j'entendais lorsque j'étais plus jeune, j'ai compris le vrai sens, quoi. Qu'est-ce que ça voulait vraiment dire? Aime la vie dans les buildings, toute la vie naturelle. Si mon indifférence n'est pas un problème, dites-leur. Aime la vie que tu mènes la vie que tu aimes, chante un positif pour elle. Les artistes en général on a nos mauvais démons, quelquefois on est rattrapé par nos mauvais démons. Il y a ce combat non contre les autres, non une compétition contre les autres, mais contre soi-même, de manière à faire ressortir le meilleur. À un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas les codes de tout. Okay? Par exemple, je suis quelqu'un, lorsque je vois une famille unie, je suis très admiratif face à ça. Je me dis... Ce code-là, par exemple, c'est un code que je n'ai jamais eu. J'ai eu celle de partager ma vie avec la musique et ça a toujours fonctionné, que ce soit haut ou bas. On a toujours su se retrouver et être fidèle, même si on dit que la musique passe d'un couche à l'autre. Okay? Mais en tout cas, elle m'est toujours restée fidèle et je lui ai toujours resté fidèle. Et en fait, c'est cette déclaration d'amour. À un moment donné, je dois accepter qui je suis. Il y a des choses, je n'ai pas les codes, par exemple, de construire, de bâtir une vie de famille. En tout cas, au moment où je faisais cet album, j'en étais à là, quoi. Il y a des prix à payer et ça m'a ramené toujours le premier conseil que les grands frères jamaïcains, les artistes, paient à son âme, des gens tels que Manu Dibango, lorsque j'ai discuté avec toutes ces personnes, que voilà quoi, c'est pas seulement la gloire, il y a beaucoup de choses qui accompagnent ça et qui assoient, qui arrivent même à asseoir une légende quoi, qui fait que, ok, et à travers cet album, c'est tout ça que j'ai essayé de vraiment être authentique, d'être vrai, de... Faut pas qu'on s'endorme. Faut pas qu'on s'endorme. Faut pas qu'on s'endorme. Faut pas qu'on s'endorme. Il n'est pas trop tard pour changer la donne. On vit à genoux dans les geôles de Babylone. Les chaînes au cou. Vous savez, le rôle premier du rap et du ragamuffin, du reggae en général, c'est être le haut-parleur du peuple, c'est de dire les choses. On vit un moment très sombre, ok? Guerre de religion, des signes dans le ciel, des tremblements de terre, des ventres violents, les enfants qui se révoltent, l'abus de pouvoir, et qui en fait un moment très prophétique, ok? Donc, changer la donne, tout ce qu'on voit dans le monde, ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Okay? Donc, l'homme est devenu très égoïste, très
centré sur lui-même, on a oublié le partage, les vraies valeurs, ça s'est perdu et ça fait que l'humanité se retrouve dans le bordel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, dans Changer la donne, j'essaie d'expliquer comme quoi que c'est à nous, autant qu'on a créé ce monde, puisque c'est le reflet de nous-mêmes, on peut aussi le transformer. On a le pouvoir sur la matière de transformer les choses, mais il faut renaître de nouveau, qui veut dire retrouver toutes ces valeurs qu'on a perdues, aime ton prochain comme toi-même, le partage, en fait, mettre KO l'ego, quoi, pour pouvoir retrouver nos vraies valeurs, quoi. Moi, je viens d'une époque, ce n'est pas l'argent qui nous a fait, c'est nous qui avons fait l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien et il fallait exister. Et c'est le rôle premier même, le ragamuffin, avant d'être une musique, c'est ça. C'est un état d'esprit, ça veut dire que partir de rien, pour être une personnalité, pour réussir à construire un empire, voilà, et c'est vraiment l'état ragamuffin. On était dans le confinement, il fallait trouver des idées. En France, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des idées. Ils nous vendent leur merde, et comme des cons nous en consomment. Ils créent des problèmes, et avec ça ils nous assomment. Et tous les coups de fouet, man dis-moi qui est-ce qui les donne. Tu crois ces mecs tubes, là je crois qu'il y a mal donne. Et c'est dommage que à l'école on nous apprend à compter, mais on n'apprend pas à faire attention à qu'est-ce qu'on dégage. Parce que ce qu'on dégage, c'est une énergie, et l'énergie, c'est vivant. S'il est positif, ça devient positif, ta vie devient positive, l'entourage devient positif. Si c'est négatif, tout devient négatif. Ta vie est négative, l'entourage est négatif. C'est ce que Bob Marley chantait, « Positive vibration ». C'est ce qu'il expliquait au monde, ok? Et voilà, c'est ça, c'est... Remix! Il Maurice nous représenter. Pendant le confinement, beaucoup de femmes qui étaient battues, qui étaient mal à l'aise dans leur truc. Donc, j'ai fait un choix. Je me suis dit, bon, je vais mettre cette chanson pour qui j'espère va essayer de sensibiliser les gens, faire prendre conscience. C'est un hommage à King Yellowman. Ça ne regarde que moi, mais pour moi personnellement, tout ce mouvement rhubadob, reggae, dancehall, on doit beaucoup à ce monsieur, cet albinos, qu'on a trouvé dans une poubelle lorsqu'il est né. Il a une histoire vraiment pas possible, c'est vraiment l'état. Et Yellowman nous a appris à faire de l'argent avec ce style de musique. Bien sûr, c'est aussi un gros big up à Prince Buster, Daddy Roy, mais aussi à King Yellowman, quoi. On meurt, on nous oublie, mais on n'oublie pas les écrits, on n'oublie pas certaines choses qui sont là et qui passent de génération en génération. Donc ça, c'est propre à la France, parce que lorsque je regarde la Jamaïque, pourtant beaucoup essayent de copier la Jamaïque, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne le font pas bien à mon propre avis à moi, parce que lorsque je revois la petite Kofi, le respect qu'elle donne à des gens comme Cocotti, et puis tous ces jeunes artistes qui puisent dans, par exemple, Bennyman vient de reprendre le Zungo Zung de King Yellowman, et j'ai vu le King Yellowman entouré avec pas mal d'artistes, un morceau qui s'appelle Champion. Voilà quoi, parce qu'un arbre sans racine est un arbre mort, et aucune maison ne tient debout sans fondation. Only day, pity my fear, bud.
Porte moi mes crier Jacob. On dit d'ailleurs que des mains crier bon. Porte moi mes crier Jacob. Well Jacob, viens du peuple à une démocrate parole. Puis j'aimerais pas dire aïe. Parlez moi c'est sans olé. On s'est dit que comme on savait. On peut qu'il pérer tout comme ça. On peut qu'il peut jouer en l'esprit en moi. On est ma ou en calpette et chena. On peut qu'il peut jouer en l'esprit en moi. On se soldat moi. En fait, je changerais rien parce que c'est tout ça qui m'a permis, avec mes imperfections, ça m'a permis à être l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, je referais la même chose, la même manière et sans rien changer, quoi. Ouais. Et parce que ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. L'essentiel, c'est les chutes, ça sert à se relever, quoi. C'est de ne pas rester à terre. Lorsqu'on tombe, il faut savoir s'en relever, quoi. Il faut savoir tirer le son des choses. On ne perd jamais. On gagne ou on apprend. Il faut juste être assez ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre que rien n'est inutile, quoi. Que tout nous sert à quelque chose. L'harmonie qui maintient la flamme. On est déjà pour guider les hommes. Les emmener sur la voie du Allah. Que tu aimes, chante un positif poème. Certains aiment la vie dans les buildings, d'autres la vie naturelle. Sinon les différences n'est pas un problème. Dites-leur.